Nous sommes au 10e jour de confinement et probablement qu'il en reste pas mal devant nous encore. Alors je vais vous faire le point de la situation et en particulier d'abord sur nos trois établissements, en plus de l'hôpital, où bien sûr il y a le plus de personnes âgées. D'abord, il n'y a pas de cas de coronavirus avéré dans les trois établissements. Parlons d'abord du foyer logement du Puy. Le confinement est dans toutes les chambres. Le personnel s'occupe de tous les problèmes du quotidien. Plateau repas, ramassage des déchets, organisation du lavage du linge, relations avec les familles par téléphone, par Skype, par photo. L'intervention du personnel de santé extérieur est possible pour d'autres problèmes de santé. Le travail est considérable. Dans les deux EHPAD, maisons de retraite, le confinement total en chambre. Le matériel arrive. À Gardinère, 575 masques par semaine, blouses et matériel de protection. Même chose à Coriane. Le personnel est sur le pont en permanence et il y a peu d'absentéisme pour l'instant. Le travail est considérable, par exemple la répétition du nettoyage et de la désinfection, de toutes les surfaces potentiellement dangereuses. Dans les trois cas, il faut maintenir un esprit positif, aussi bien auprès des résidents que parmi le personnel. C'est primordial. Encourager les initiatives créatrices. Par exemple, le directeur de Gardinère lance l'idée au personnel « Revue de talent. Que savez-vous faire en dehors de votre métier ? Et qui peut servir au collectif ?» Une bonne chose est la proximité entre le foyer logement et l'hôpital. À cet endroit, des médecins sont prêts à intervenir. Au CCAS, un agent est présent, matinée et après-midi, pour répondre aux besoins, orienter les personnes vers des agents compétents qui travaillent chez eux. En effet, le confinement ne met pas un arrêt aux difficultés sociales de toutes sortes, bien au contraire. Les services de la ville et de la communauté de communes fonctionnent directement ou en télétravail, comme je vous l'ai déjà dit. Le Premier ministre, lundi soir, a annoncé la fermeture des marchés. Il y avait une ambiguïté sur marché ouvert et marché couvert. Le texte paru hier était clair. Il s'agissait des deux. Le maire pouvait demander une dérogation à la fermeture. Je l'ai fait. Elle a été refusée. Ont été acceptés uniquement les marchés situés dans des lieux où il n'y avait pas d'autre solution de proximité. Et je comprends aussi la responsabilité qui pèse sur nos dirigeants. Elle est écrasante. À cette occasion, je dois féliciter les commerçants pour la solidarité qu'ils ont montrée dans la gestion des conséquences, en particulier celle des stocks, aidés par l'Union des commerçants et son secrétariat. Bravo, ce n'était pas évident. Le confinement est plus que jamais nécessaire. Nous vivons ici, pour l'instant, l'illusion sans doute que l'épidémie pourrait passer à côté. Pourtant, nous voyons tourner en boucle sur les chaînes de télévision des images terribles. Je soutiens l'effort de la police municipale face à des comportements encore irresponsables. Je sais bien que c'est très compliqué. Je vois passer les réflexions parfois agressives concernant en particulier les enfants. Je sais que beaucoup habitent dans très peu de mètres carrés.
mais je vous en supplie, soyez patient et surtout réaliste. Le plus difficile est sans doute devant nous. Prenez soin de vous, de votre entourage. Restez chez vous. Vous voyez, quand je ne suis pas pendu au téléphone ou devant les écrans, je me suis remis à lire, à écouter de la musique, à trier des photos. Et si on réfléchissait à l'après-crise, est-ce qu'on continuera à vivre de la même façon? Quelles leçons va-t-on en tirer? Bon courage à tous. Le virus ne doit pas passer par nous.